Ahla ou sahla bikom fi cuisine malia. Aujourd'hui, on va préparer des petits pois avec des cuisses de poulet. Voilà, pour cette recette, il faut. Moi, j'ai pris un demi-kilo de petits pois, 4 cuisses de poulet, 3 tomates, 2 oignons, poivron. Voilà, ça c'est à votre goût là, si vous voulez, c'est piquant ou normal. Voilà, les épices, il faut ras el hanout, gingembre, curcuma, poivre noir, sel, de l'ail, clou de girofle. J'ai pris 4 clous de girofle et laurier. Voilà la première chose que je vais le faire. Alors, je pique mes clous de girofle de cette façon. Voilà, je le pique de cette façon. Je le mets dans ma casserole. La deuxième, pareil, je l'ai piqué. Voilà. Et voilà. Ça donne du goût. De girofle. Voilà, je la mets à côté. Maintenant, je prends ma casserole. J'ajoute mon verre d'huile d'olive. Voilà, équivalent de l'huile d'olive comme ça. Je le mets et je le mets sur le feu à peu près 10 minutes jusqu'à la viande qu'elle soit un peu dorée. Après, j'ajoute l'oignon et l'ail. En attendant, je coupe l'oignon. Je mixe l'oignon et l'ail. J'ajoute mes 3 tomates avec. Je le mixe pareil aussi. Tout ensemble. Voilà, j'ai mixé mes tomates. Je vais rajouter maintenant les cuisses de poulet. Voilà. J'essaie de les faire tourner. Voilà, après 10 minutes, je vais les mettre sur le feu. Tout ça. J'ajoute maintenant les tomates, l'oignon, l'ail. Je le laisse encore 10 minutes. Voilà, après 10 minutes, lorsque j'ai mes tomates, voilà, maintenant j'ajoute maintenant mes épices. Voilà. Bon, j'ajoute mes épices, ras el hanout. Voilà. Gingembre. Curcuma. Noir, voilà. Sel, et je laisse tout réagir ensemble. Ça, je laisse encore 5 minutes, et après j'ajoute 2 ou 3 verres d'eau, pas plus. Voilà, j'ajoute mes petits pois et 2 ou 3 verres d'eau, pas plus. Si on utilise les petits pois de conserve, on utilise qu'un un verre d'eau et surtout on met les petits pois. Mais si on utilise des petits pois, qu'elles soient toutes fraîches, alors on met 2 ou 3 verres d'eau parce que ça prend de temps pour la cuisson. Voilà, 5 minutes c'était passé. Maintenant, j'ajoute mes petits pois. C'est à l'œil, on voit combien on va ajouter de l'eau. Pas mettre trop à la fois. Voilà. Et on le laisse à peu près plus qu'un 20 minutes parce que si mes petits pois elles sont pas de conserve. Voilà. J'ajoute maintenant 2 verres à peu près d'eau. Je le laisse 20 minutes à peu près. Ça, lorsqu'on voit petits pois, c'est cuit, poulet et tout, on arrête. Voilà, je ferme la casserole. Voilà, ma sauce, ça y est, presque elle est cuite. Il reste 10 minutes à peu près. Là, je jette le poivron.
Hein? J'ajoute mes feuilles de laurier à la fin et je le laisse à peu près 10 minutes comme ça et j'étale. Ça y est, c'est prêt. Voilà, comme vous voyez, ça y est, j'ai fini ma recette. Ça y est, elle est finie, elle est cuite. Ça y est, je suis préparée, ça y est, elle est. Comme vous voyez, elle est magnifique. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma recette. N'hésitez pas d'aller faire un tour à ma page et s'abonner. Merci beaucoup d'avance. Voilà, et bon appétit.